manchette aujourd'hui, à Berthierville, tous les projets de développement domiciliaire autres qu'unifamilial seront scrutés à la loupe. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 7 juin. On débute par des informations qui nous proviennent de la ville de Berthierville. C'était l'assemblée du conseil municipal hier soir. Donc, Berthierville souhaite mettre un frein à du développement domiciliaire anarchique en lien avec ses politiques de développement en préparation et l'embauche d'une firme spécialisée à cette fin. On parle de l'atelier urbain. La ville de Berthierville a adopté lundi soir un règlement transitoire à cet effet. Ainsi, tous les projets de développement domiciliaire autres qu'unifamiliales seront et devront être scrutés à la loupe et répondre à plusieurs critères pour obtenir l'aval du conseil municipal le temps qu'on reformule la réglementation à ce niveau. Selon le maire Dominique Perrault, les projets de construction domiciliaire à Berthierville sont présentement très nombreux. Les élus souhaitent réglementer le tout avant qu'il ne soit trop tard et qu'un projet voie le jour et vienne ainsi défaire la vision en devenir là, du conseil municipal, une vision qui vise un développement harmonieux au niveau de l'habitation. On écoute les explications à ce sujet du maire Perrault et de la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, le conseil procède à l'adoption du règlement sur les usages conditionnels. Le règlement d'usage conditionnel est suite au fort intérêt manifesté par les développeurs immobiliers. Il y a un désir d'assurer une cohérence et un développement durable du territoire de la ville. Donc, pendant les démarches qui sont initiées, qui vont se terminer vers décembre 2022, il y a un règlement transitoire qui est adopté. Règlement transitoire qui s'applique pour les usages multifamiliaux. Donc, on parle des multiplex, des immeubles à logement. Fait que donc, à ça, le règlement zonage va faire en sorte qu'il n'y aura pas de permis qui va pouvoir être émis, sauf que le règlement d'usage conditionnel va pouvoir l'émettre à certaines conditions. Fait que donc, on parle de certains critères d'évaluation, soit de l'intégration urbaine, la gestion des eaux de ruissellement, il va y avoir la protection des arbres matures, le verdissement des terrains privés, la qualité d'architecture. Fait que tous ces critères-là vont être considérés et également le facteur de densité va être coté pour l'acceptation du projet. C'est sûr qu'il y a toute une procédure qui s'applique là-dedans. Puis il va y avoir présentation au comité consultatif d'urbanisme. Ce règlement-là, le projet va être possible aussi. Bien, il est présentement, mais le second projet va être aussi possible de consulter sur le site web de la ville. Fait qu'il est présentement disponible. Il y a eu un autre dossier qui a fait jaser. On parle d'un terrain vacant qui fait des mécontents à Berthierville. Ce terrain qui est devenu vacant suite à un incendie il y a quelques mois, fait des mécontents, oui, à Berthierville. Le terrain est localisé rue de Bienville. On écoute un citoyen du coin demander aux élus d'intervenir. Puis, entendons la réponse du maire Dominique Perrault. Mon nom est Richard Gérard. Oui. Je demeure au 121 rue de Bienville, à Berthierville. Oui. La problématique que je vais emmener, M. le maire, ainsi que M. les conseillers, on s'en est déjà parlé toutes les deux. Oui. Puis, je ne suis pas menteur, puis je vous avais dit que je viendrais dans le... Ah oui, puis je vous avais invité aussi. Hein? Je vous avais invité, je vous ai incité à venir. Je ne suis pas menteur, moi non plus. Non, je ne suis pas ici pour dire des bêtises. Non, je sais. Sauf que la problématique est située au terrain qui est situé entre le 181 et le 161 de rue de Bienville à Berthierville. C'est un terrain où il y avait une résidence, une maison avant, qui a été incendiée. Oui. On a ramassé les débris de la maison.
on a ramassé le solage, on ne l'a pas cassé, on l'a ramassé. Sauf que le ménage n'a pas été complètement fait sur le terrain. Oui. Puis, je m'excuse là, pour les oreilles chastes et peu, là, mais c'est un bordel. C'est un dépotoir, ce terrain-là, M. le maire. Puis, monsieur les conseillers, là, prenez-en note. Puis, je vous invite à venir chez moi. On va aller tous les deux sur le terrain, s'il faut, ou on va aller chez les résidents voisins de ce terrain-là, puis vous allez pouvoir constater que c'est un vrai dépotoir. Je propose que la personne qui est propriétaire de ce terrain-là ait un échéancier pour faire le ménage sur ce terrain-là. Je propose ça, qu'il y ait un échéancier de demi pour que la personne fasse le ménage sur le terrain. Et après l'échéancier, si la personne n'a pas mis l'hygiène dans le fond, parce que je suis certain, monsieur le maire, monsieur les conseillers, monsieur, madame les conseillers, que présentement, au moment où on se parle, là, que sur ce terrain-là, il y a des rats, il doit y avoir des tiques au bout, puis Dieu sait que des tiques, quand ça pique, là, c'est très, très dangereux. Il doit y avoir des souris, il doit y avoir de la vermine au bout. Fait que, puis il n'y a pas personne jamais qui va sur ce terrain-là. Fait que moi, je propose que, après l'échéancier qui aurait été demandé à la personne pour faire le ménage sur le terrain, je propose que la ville de Berthierville envoie les travaux publics, les employés de la voirie municipale pour faire le terrain, pour faire le ménage sur le terrain, et qu'on lui envoie la facture. C'est une proposition que je fais. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça. Je suis pas ici pour avoir des faveurs. Je suis capable de discuter, puis comme vous pouvez voir, je suis capable de parler avec bien du monde. Pas beaucoup d'instructions, mais je sais vivre quand même. Oui, non, je suis correct. Moi, je propose ça, que la personne qui est propriétaire de ce terrain-là, qu'elle ait un échéancier pour faire le ménage du terrain, à partir de la date où ce ménage n'a pas fait, oui. Que la ville, que la voirie municipale fasse le ménage sur ce terrain-là, puis qu'on lui envoie la facture. Madame Dubois, est-ce qu'on peut donner des précisions par rapport à ce qui a été fait avec ce terrain-là? Est-ce qu'on a des... Vous comprendrez que l'information qu'on peut divulguer est quand même limitée parce qu'il y a des procédures concurrentielles également. Je peux confirmer qu'il y a des procédures entamées déjà avec les propriétaires. Oui. Il y a tout le côté aussi légal. On veut bien devancer les choses, mais on sait comment ça se passe. Quand il y a un avis qui est donné, il y a quand même un délai. C'est la même chose quand c'est un ticket de stationnement ou une contravention pour peu importe, là. Donc, il y a des procédures. Fait qu'il faut respecter, mais premièrement, on a déjà, ça fait deux fois qu'on parle de ce sujet-là depuis que je suis à la mairie. Faut savoir que, bon, à l'hiver, c'est moins évident de parler de ça puis d'aller faire du ménage, parce que, bon, avec la neige, mais depuis le printemps, ça fait quand même deux fois qu'on en parle. L'autre jour, quand je vous ai croisé, vous savez, je suis parti tout de suite dans la même journée, je suis allé prendre des photos, puis j'ai apporté ça à la directrice générale, et on en a parlé aussi avec l'inspecteur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des démarches d'entamer. La procédure, bien, il faut la respecter avant d'arriver à ce que vous proposez. Mais on va suivre la procédure, mais on suit ça de près. Ça, c'est pour vous dire que c'est comme... on sait que c'est un sujet... Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, qui nous en a parlé. Il y a d'autres voisins qui nous en ont parlé. Donc, oui, on s'en occupe. On va suivre les procédures légales, puis on procédera. En ouverture de séance, lors de cette... séance du conseil municipal de Berthierville, lundi soir, le maire Dominique Perrault s'est dit enchanté du succès du Berthierbrou, l'événement qui a pris place au Parc Sainte-Geneviève samedi, et ça lançait les fêtes du 350e anniversaire à Berthierville. Il a aussi parlé de la consultation publique de demain mercredi
à la polyvalente et invité. Il a invité les citoyens de Berthierville à s'impliquer dans l'avenir de leur ville. On l'écoute. Petit mot, deux petits mots, deux petites réflexions. Premièrement, ce samedi, c'était la 5e édition du Berthier Brou à Berthierville. Première activité officielle estivale dans le cadre du 350e. On a été chanceux, on a fini par faire beau. Et il y a eu un rassemblement, je pense que c'est un des premiers beaux rassemblements depuis longtemps à Berthier. Bon, avec la COVID, évidemment. Puis je pense que les gens étaient très, très, très contents d'être là, très heureux. Pas de masque, de la bonne musique, de la bonne compagnie. Donc, on a vu beaucoup de sourires. Donc, on espère que les prochaines activités, on pourra fêter comme on l'a fait dans le premier événement. Voilà, sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 7 juin, deux anniversaires à souligner, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Amandine Boivin et le FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Daniel Robillard. C'est votre anniversaire aujourd'hui. 7 mai, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant en deuxième partie du bulletin. CTRB vous présente une entrevue que nous a accordée Mme Caroline Séguin de l'ACEF Lanaudière. Cette dernière nous parle de déménagement. Ça arrive bientôt, là, des centaines, des milliers de personnes vont déménager dans les prochains jours, d'ici les prochains jours de juillet, la date du 1er juillet étant particulièrement occupée. Donc, c'est un sujet qui est dans l'air en ce mois de juin, alors qu'on approche du 1er juillet. On écoute l'entrevue. Je suis en compagnie de Caroline Séguin de la CEF Lanaudière. Et cette semaine, on a décidé qu'on parlait de déménagement. Je pense que c'est le thème du mois je pense que c'est très d'actualité. Ceux qui ont à déménager, que ce soit un gros déménagement, un petit déménagement, vous avez quelques trucs à nous parler là, pour qu'on puisse faire un bon déménagement harmonieux et calme et pas stressé. Oui, bien c'est ça, hein? Un déménagement, vous venez de dire, c'est stressant, c'est fatigant, ça peut à la limite être épuisant aussi. Et la meilleure façon de... En fait, il y a deux mots à retenir, c'est préparation et organisation. Donc moi, les petits trucs, c'est pour vous éviter de payer des frais supplémentaires. On sait souvent les déménageurs sont payés à l'heure. Donc, si on se prépare bien, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus rapide. Et si on est organisé aussi. Donc, il y a des choses à faire dès maintenant. Là, c'est sûr que si vous n'avez pas déjà loué votre camion, vous n'avez pas déjà réservé vos déménageurs, faites-le au plus vite. C'est vraiment le temps de le faire. Vous êtes sinon, à moins une. Ben, oui, presque. Donc, sinon, une fois que ça, c'est fait, on ne reviendra pas là-dessus parce que normalement, la majorité des contrats sont déjà signés de toute façon. Donc, pour éviter des frais supplémentaires, il faut se préparer dès maintenant. Donc, dès maintenant, on peut déjà commencer à faire 5 à 10 boîtes par jour. On y va avec le saisonnier, ce qu'on n'utilise pas ou très peu. Les vêtements d'hiver, là, on peut s'en débarrasser déjà, les mettre dans une boîte, ça sera déjà fait. Donc, graduellement, ce qui fait qu'on ne sera pas si épuisé que ça rendu aujourd'hui. Donc, ça va nous permettre aussi de faire le ménage. Qu'est-ce qu'on jette?
qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on amène avec nous. Et évidemment, dans la préparation, on pense à être organisé, les deux mots. Donc, on indique clairement sur nos boîtes-là où seront déposées ces boîtes-là dans notre logement ou notre maison future. Donc, ça va être le garde-robe d'entrée, ça va être la chambre principale. Et on peut aussi faire ou mettre un petit descriptif du contenu de la boîte. Est-ce que ce sont les vêtements d'hiver? Donc, c'est une des boîtes qu'on va déballer en dernier. Alors, on peut aussi s'informer dès maintenant pour les changements de compte. Je pense à l'hydro, aux télécommunications ou encore le courrier. Donc, les procédures, quand est-ce qu'on appelle le dernier appel pour dire qu'on déménage? Donc, on s'informe de voir c'est quoi les procédures. 1 à 2 semaines avant le déménagement, là, on peut confirmer avec les personnes qui vont nous donner des coups de main. On peut confirmer aussi avec la compagnie de déménagement l'heure et toutes les modalités qu'on avait réservées avec eux. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un au départ, quelqu'un qui est là pour le déménagement et quelqu'un qui est là aussi à l'arrivée, donc pour tout orchestrer ça. 2-3 jours avant, on démonte tout ce qui est démontable. On voit des fois le déménageur est obligé d'attendre ou de démonter eux-mêmes certains meubles. Donc, tout ce qui est démontable, on le fait et on garde les outils proches. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin la journée même. On réduit aussi au minimum la vaisselle, les serviettes, les vêtements qu'on a à utiliser. Donc, 1-2 semaines avant, on réduit ça au minimum et on pack tout ça, on met ça dans des boîtes. La veille, on débranche nos appareils, évidemment, ceux qui sont débranchés, peut-être pas le frigo tout de suite. On fait une dernière brassée de lavage, on enlève les rampes d'escalier, on enlève les portes qui pourraient gêner. Le matin même, on va évidemment vider le frigo, le laver par la même occasion. On va aller placer des bornes. Si on doit réserver un stationnement ou on réserve un espace pour le camion, on peut aller porter des petites bornes ou des petits cônes pour justement indiquer aux gens de ne pas stationner là lorsque le camion arrivera. On déménage aussi, évidemment, soi-même. Tous ces objets de valeur ou encore ces documents le plus important, ça, on le garde pour nous. Et puis, si jamais, on souhaite que tout aille bien, là, mais si jamais, par exemple, le camion n'est pas là à l'heure convenue, à moins qu'on vous ait avisé qu'il y aurait possibilité d'un retard au moment où vous avez pris l'entente, à ce moment-là, si jamais le camion n'est pas là à l'heure, appelez-nous à la CEF pour pouvoir voir quels sont vos recours parce qu'il y a des recours pour ça. Évidemment, la première étape, c'est toujours de négocier avec le déménageur si vous le pouvez avant de faire appel à nous. Et aussi, des fois, ça arrive, on le voit souvent, des frais supplémentaires qui arrivent comme ça là, à la fin. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec les frais supplémentaires qu'on vous charge, vous pouvez payer sous protêt. Donc, on indique sur le chèque sous protêt ou encore sur la facture. Et là, à ce moment-là, vous pourrez entamer des recours, notamment une mise en demeure et peut-être éventuellement une créance pour aller rechercher ces frais-là auxquels vous êtes d'accord. Quand tu me parles de ça, je fais fameux chèque, moi, je te dirais, si tu marques un montant puis tu marques paiement final, est-ce que ça aussi, ça peut être une façon de se protéger? Puis, si tu envoies une deuxième facture après, tu te dis non, le contrat, c'était prévu comme ça. Puis, quand tu es dit que sur le chèque, paiement final, c'est toujours mieux en chèque qu'en argent, là, c'est ça que je comprends. C'est sûr. Bien, c'est, oui, pour garder des traces. Là, paiement final, c'est que si on. En fait, c'est que la facture, ça vous a été faite à un montant, c'est ce qu'on vous réclame. Donc, c'est toujours mieux même de plutôt y aller. Bien, en fait, avant même tout ça, là, l'idéal, ce serait de négocier. OK? Puis après ça, ne prenez pas sur vous là, des frais de paiement final. Prenez plutôt la deuxième option là, de sous-protection. Okay. Donc, ça vous indique, ou ça l'indique plutôt à l'autre que vous, justement, vous refusez ces frais-là, vous les contestez. Donc, à ce moment-là, en écrivant ça déjà sur la facture et sur le chèque, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir, si ce n'était pas déjà fait, de renégocier ou essayer de reprendre une entente avec le commerçant. Sinon, y aller avec une mise en demeure et peut-être cette créance, il faut. Parce que ça peut aller jusqu'à un bris d'un meuble. Ils vont, tu sais, le contrat peut dire oh oui, tout est assuré. Est-ce qu'on devrait prendre une assurance déménagement ou notre assurance de maison? L'assurance maison, oui, il faut voir si l'assurance maison couvre déjà pas ça. Idéalement aussi, ça serait de prendre des photos de vos meubles avant. Donc, si jamais il y a un bris après ça, c'est plus facile de démontrer qu'ils étaient en parfait état avant.
Donc, on essaie de se protéger le plus possible. L'idée, ce n'est pas d'être paranoïaque, c'est juste de faire attention, oui, d'être prudent. Parce que comme tantôt, tu parlais des biens plus précieux, mais tu sais, à un moment donné, oui, un poêle, un frigidaire ou n'importe quoi, ça se bosse facilement, là, c'est malheureux. Puis quand c'est en stainless, on le voit déjà. C'est agaçant pour le restant de tes jours de voir une bosse là, sur ta porte. Autre point, tantôt, tu me parlais au niveau de la SEF, qu'on ait n'importe quelle question suite au déménagement, on n'est pas satisfait, tu sais, a fallu... forcé, on s'est fait mal parce qu'on prend en fin de compte, le déménageur n'avait pas assez de personnes, puis c'est nous qui avons dû aider à déménager parce qu'il est arrivé le matin. Toutes ces choses-là, on les note. Aujourd'hui, avec un cellulaire, je pense qu'on peut prendre des photos plus facilement, de dire qu'on avait déjà bien préparé, que qu'on était prêt à faire le déménagement et que, c'est bon, il y a eu peut-être une mauvaise préparation du côté du déménageur ou qu'est-ce qu'on a. Et là, on peut avoir des recours si on a des preuves. Dans le fond, on peut avoir des preuves papier, des preuves photo, enregistrement vidéo. Aujourd'hui, on voit de tout, là. Oui, puis on revient toujours quand quelqu'un nous appelle à la SEF. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un historique. Donc, on va aller voir d'abord, c'était quoi le contrat? Qu'est-ce qui est inclus dans le contrat? Donc, c'est pour ça que c'est important. Là, je sais que c'est un peu tard déjà pour parler de contrat. On pourra peut-être en parler plus l'année prochaine. On détaillera peut-être plus, mais c'est important d'avoir le plus de détails possible. Donc, on va toujours faire référence à qu'est-ce qui est inclus dans le contrat, quelles étaient les obligations du déménageur versus les vôtres. Et c'est là qu'on va pouvoir ensuite, dépendamment du cas, déterminer quelles sont les meilleures options pour la personne. C'est ça. Puis au niveau des loyers, bien, on rappelle que c'est toujours Action Logement de la Nozère qui peut, par la suite, négocier s'il y a quelque chose aussi. Le loyer n'était pas prêt, l'appartement n'était pas prêt, ou, tu sais, à la limite, il y a quelque chose d'oublié dans notre ancien logement. Puis, bon, il faut les chercher, là. Des fois, ça arrive, des fois, qu'il nous manque des morceaux rendus à la maison, là, rendus au déménagement. Mais il y a toujours aussi Action Logement, si tu es d'accord avec moi, qui peut nous aider au niveau temps du bail et des choses comme ça. Pour la partie locataire là, ou la partie maison. La maison, c'est plus vous, j'imagine, puis la location, c'est plus avec Action Logement. Ça dépend. Ça dépend. Okay. Nous, c'est plus au niveau de la consommation, donc les droits des consommateurs, donc dépendamment. C'est sûr que ça va viser peut-être plus la compagnie de déménagement comme telle. Il y a aussi le tribunal du logement qui est sur leur site web. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais moi, le point que je voulais amener, c'est qu'on a fait affaire aussi, mais avec... Là, on parle de déménagement, loyer, loyer, mais c'est déménagement, loyer dans une maison qu'on s'achète. C'est plus vous, au niveau des contrats, que le contracteur dit on aurait dû livrer le logement pour le 29 juin, oui, mais il n'a pas été livré. C'est des choses qu'on peut négocier avec vous aussi, là, qu'on peut regarder. Parce que dans la partie déménagement, on est tout prêt. Puis tu arrives à la nouvelle place, puis il n'y a pas de plancher, il n'y a pas rien. C'est un problème aussi, là. Oui, il y a l'Association des constructeurs du Québec aussi qui peut peut-être aider, là. Mais vous nous appelez, puis nous, ça va nous faire un plaisir là, de vous référer au bon endroit si on ne peut pas vous aider directement. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Caroline. Puis, comme mentionné, vous avez d'autres sujets, on est toujours disponible. Merci. Merci. Merci, bye-bye. Bye-bye. Sur ce, allons à la pause. Son domicile de Saint-Cuthbert, le 17 mai, est décédé paisiblement Christian Quentin, fils de feu Jean-Marie Quentin et de feu Henriette Plante. Âgé de 70 ans, il était originaire de Saint-Ulrich-de-Matane. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Solange, Marielle, Jacques, Bérangère, Claude et Mario. Ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, de même que son frère de cœur Daniel et ses chers amis et amieux. Une cérémonie commémorative privée aura lieu ultérieurement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à l'organisme qui lui tenait particulièrement à cœur, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert.
Les dons doivent être remis directement à l'organisme, notamment via Interac ou courriel, ou encore par chèque à l'adresse Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, 1891 Principal, Saint-Cuthbert, JOK2CO. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 28 mai, à l'aube de ses 92 ans, est décédée Mme Denise Frenette, fille de feu Arthur Frenette et de feu Thérèse Descostes, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Linda Poirier, ses petits-enfants, sa sœur et ses frères, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille de Mme Denise Frenette ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 avril, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Pierre Chevalier, époux de Ghislaine Paquin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Olivier Chevalier, son petit-fils Joshua Dutrempe, Sarah-Anne Moisan, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lucette Chevalier, Robert Joly, Diane Chevalier, Luc Clément, Paul-Yvon Paquin, Lina Plante, Louise Paquin, Vital Bergeron, Monique Paquin, Luc Dupuis, Denis Paquin, Linda Bellemare, Claude Paquin, sa filleule Nancy Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 11 juin, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Chevalier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mai à 69 ans, est décédée Mme Ginette Laforêt, fille de feu Josépha Laforêt et de Marie-Anna Cournoyer, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Rémi Bacon, Marie-Lise Lavoie, ses deux petits-enfants Charlie et Émile Bacon, ses sœurs et beaux-frères Claire Laforêt, feu Normand Robillard, son conjoint Normand Richard, Francine Laforêt, René Darvaux, son ami Jean-Pierre Rivet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Madame Ginette Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo. Côté météo, on traverse aujourd'hui, cette nuit, ce soir et cette nuit, de la grisaille, un petit peu de pluie. On parle de 23 degrés aujourd'hui en après-midi, c'était nuageux. Ce soir, on prévoit un peu de pluie, 5 à 10 mm, 21 degrés au mercure, 17 degrés sont prévus cette nuit, 5 à 10 autres millimètres de pluie. Donc, ça se poursuit. Un peu d'averse mercredi matin, 17 degrés. Mercredi en après-midi, des rayons de soleil, ça va faire du bien. Ils passeront à travers les nuages, mais il y aura des risques d'averse. Le soleil sera plus présent jusqu'à son coucher en soirée, mercredi soir. Donc, une semaine un peu coussi-coussa. Voilà, c'était votre bulletin d'information, 7 mai. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain!